Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons voir des préparations de revers, plat ou lifté. Donc le premier au-dessus de la tête, le mouvement est délibérément exagéré pour bien le repérer. Donc ça procure une perte de temps, par contre une grande amplitude dans la préparation pour avoir beaucoup de force. Préparation directe, donc plus classique, qui est donc horizontale, directement vers l'arrière. La préparation directement vers le bas, ça peut être utile lorsqu'on prend des balles dans les pieds ou sur terrain rapide et lisse. Préparation pendulaire, donc démarrage par le bas, puis remontée pour rechercher de l'amplitude. Alors c'est pas une préparation qui est forcément recommandée, mais qu'on peut trouver. À deux mains, donc préparation au-dessus de la tête également. Donc c'est utile lorsqu'on a une balle haute à jouer, un service lifté très haut, une balle qui remonte relativement haut. Donc ça permet de trouver de la hauteur. Direct horizontal, donc c'est ce qui est le plus simple. Ensuite préparation pendulaire, donc pareil on commence en bas, on va chercher de la hauteur après, donc ça procure quand même une perte de temps, donc c'est pas non plus à recommander. Préparation basse, on reste donc relativement bas sous le niveau de la ceinture, c'est utile pour les balles qui sont arrivées dans les pieds ou qui sont rapides et rasantes. Et enfin préparation accentuée dans le dos, donc c'est assez particulier, ça permet d'avoir de l'amplitude, préparation directe avec une grande amplitude derrière. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes libre de visiter mon blog pour voir de nombreux articles récupérés et fiches gratuites, de me suivre via Facebook, YouTube ou Twitter, ou de me contacter par mail. À bientôt.